Salut, youpi! Je suis tellement contente de vous retrouver aux news de Delphi Show. Avant de poursuivre la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous en activant la cloche de notification. Vous savez, en juillet 2019, Edoxy Yao avait été sauvagement agressée par un certain Ibe. Il l'avait gravement blessée, elle était ensanglantée. Donc, Edoxy l'avait traînée devant la cour de justice française. Le procès a eu lieu. Grâce à Dieu, grâce à mes prières surtout, parce que j'ai fait 7 jours de jeûne, 7 jours sans manger ni boire de l'eau. La personne qui dit que je mens là, qui m'en a qu'à brûler sa bouche, voilà. Donc, après le procès, son agresseur a été emprisonné. Je voulais profiter en même temps, passer un message à toutes ces victimes, à toutes ces femmes battues qui n'ont pas eu la chance de pouvoir se battre et établir la justice. Et surtout à vous les hommes, s'il vous plaît, ne nous frappez plus. Arrêtez de nous battre. Vous savez, femme, c'est bouche. On a trop de bouche. Même quand on vous insulte là, laissez pouvoir Dieu. Dieu va faire votre palabre. Donc, arrêtez de nous frapper. Oh, merci. Rama la slameuse a récemment annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle allait se présenter aux élections législatives 2020. À cette allure-là, même Amina de Kumasi risque de devenir maire de sa commune. Hein. Mais Rama, je te soutiens. Votez Rama la slameuse. Votez Rama. Même moi, je vais me présenter aux élections présidentielles 2020. Regardez ma vidéo de campagne électorale. Je me nomme Delphine Sidbega et je me présente aux élections présidentielles 2020. Chers Burkinabés, si vous votez pour moi en 2020, les pilules de lendemain et les préservatifs seront gratuits. La polygamie sera légalisée. Les hommes vivant sur le territoire burkinabé auront le droit d'épouser au moins 2 femmes, sauf mon homme, bien sûr. Et je m'adresse à vous, les jeunes filles. Si un homme vous invite à manger un poulet et qu'après cela, il vous oblige à aller vous reposer à l'hôtel, vous avez le droit de déposer une plainte et cet homme sera emprisonné. Merci. Grand-père accuse Fischküller et Soulbanks de gâter son nom en Europe là-bas. Mais franchement, quand j'ai suivi la vidéo de grand-père, moi-même j'étais découragée. Mais il a raison. Il a raison. Surtout la partie qu'il dit, il a dit que voilà, c'est ça, cette partie-là. Non, ça m'a trop énervée. Même si c'était moi, grand-père, là, j'allais faire pire. Oh, grand-père, tu as raison, je te soutiens. Hein? Vous-même, regardez la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Écoutez bien ce qu'il dit là. Il a raison. Regardez la vidéo. Vous avez compris, non? Hein? Mais la personne qui dit que je mens, on va pas s'entendre. En tout cas, moi, j'ai compris ce qu'il a dit là. Voilà. C'est tout. L'ex de Debordo, Sarah Davila, a confié que Debordo n'aimait pas se laver quand ils étaient ensemble. Pourquoi c'est maintenant que tu viens nous dire? Avant là, est-ce que tu avais dit ça? Même s'il n'aime pas se laver, pourquoi tu viens confier ça sur Internet comme ça? Hein? Tout le monde va savoir que Debordo n'aime pas l'eau. Tous ceux qui n'aiment pas se laver là vont mettre leur bouche sur lui. Hein? C'est pas gentil. Faut plus faire ça. Debordo, pardon, faut commencer à te laver maintenant. Eunice Zounon, pardon, faut nous situer. Tu ne peux pas monopoliser les deux garçons là pour nous laisser. Nous, on est là, on cherche un, même on n'arrive pas à trouver. Aujourd'hui, tu t'affiches avec l'un, demain, tu t'affiches avec l'autre. Ça ne peut pas se faire. Faut choisir entre Ténor et Lionel. Pardon, tu ne peux pas tout prendre pour nous laisser, il n'y a plus de garçons. Oh, je suis tellement triste. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Karine Pugnaba qui a été la première à commenter ma vidéo précédente. Est-ce que je vais pas... disons que... Faites comme elle. Surtout, likez, commentez, partagez et abonnez-vous en activant la cloche de notification. À bientôt!